Salut, salut! Allô! Hey, on est deux aujourd'hui. Là, hey, on teste des nouveaux petits micros. Ouais, le mien. Allô? Oui, c'est ça. Salut! Hein? Bon, là, on va laisser le monde se connecter. Moi, pendant ce temps-là, je vais jouer avec les lumières. Ah, mais on aurait dit qu'on était dans le sud, armé l'autre! Hey, les gars, on dirait qu'on voit quasiment mieux de même. Ah oui, parce qu'on a la lumière de la fenêtre. Attends un peu. Bon, bien, ceux qui arrivent, là, on joue un peu avec nos lumières le temps que vous vous connectez. T'as vu? Ah ouais, non, c'était non, vraiment bien avec rien. Ah, hey, ouais. Salut, salut, on a du monde qui arrive. Hello! On dira pas des niaiseries tout le long comme ça. Non, on va être sage. J'aimerais ça, ceux qui viennent d'arriver, pouvez-vous nous dire si vous nous entendez bien? Parce que là, on teste des nouveaux micros, moi puis Caro, c'est un genre de micro double. Ouais. Je veux savoir, on n'avancera pas, je ne vous dévoilerai pas mon secret. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'écrit ici. Allô, Derek! Allô, allô! Est-ce que tu peux me dire si tu nous entends bien, s'il te plaît? Allô, testing! Testing! Il y a Patricia, elle est là, elle va nous dire ça. Patricia, j'ai besoin de savoir si vous nous entendiez bien. Parce que je veux pas qu'on commence à parler, puis que finalement... Personne n'entend. Fait que oui. Personne va savoir le secret à José. Ah oui, ils disent oui, c'est ça qu'ils entendent super bien. Écoute, aujourd'hui, on voulait vous parler. Allô, Anne-Marie! Salut, Nancy! Hey, là, tout le monde arrive. Bon, tout le monde est sur leur pause dîner. On est deux aujourd'hui. Je pense que vous avez vu un petit peu le pause des avant-après. Je ne sais pas si vous les avez vus hier, mais dans le fond, on fait un live aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau produit qu'on a au salon. On a tout à la misère à le dire, mais c'est High & V. High & V, on était rendu bonne. Hein? C'est pas pratique, je pense. Oui, parce qu'au début, ça ressemblait à Even V, Even Boy. Là, c'est High & V. Hey, c'est beau, hein? Salut, Guylaine. Hey, merci de m'écrire qu'on entend super bien. Salut, Lauriane. Allô? Dans le fond, c'est un produit que, écoute, on a vu des gens l'avoir. Moi, j'ai vu du monde avoir ça. On est allé chercher le produit, carrément. Ouais. Oui, parce que c'est du monde que je voyais qui avait vraiment les cils vraiment beaux, naturels. Ben, pour ma part, moi, c'est correct, les extensions, j'en ai déjà eu, mais des fois, moi, j'aime ça quand ça va un petit peu plus vite, puis ça fait un peu plus naturel. Tu sais, à la maison, des fois, ça va un peu plus vite. Puis ils m'ont tout parlé de ce produit-là, High & V. High and V. Oui, c'est ça. Ils m'ont tout parlé de ce produit-là. Fait que moi, avant de rentrer, on l'a testé. Fait que depuis le mois de janvier, dans le fond, que moi, je l'utilise. Puis c'est vraiment un produit que Caro... C'est pour ça que Caro est là, parce qu'elle, dans une ancienne vie, était esthéticienne. Ouais, ouais. Fait que là, j'ai dit, Caro, là, tu vas venir. Là, tu vas pas cacher en arrière. Tu vas venir, je vais l'appliquer, je vais vous montrer, je vais mettre mon mascara. Mais vraiment, moi, la différence du début que je l'ai commencé au mois de janvier, c'est fou. Fait que... Je vais commencer à le mettre. Fait que toi, je vais te laisser parler pendant ce temps-là. Moi, je parle plus. C'est toi qui prends la place. Oui, INV, c'est pas compliqué. C'est un sérum pour faire pousser les cils et les sourcils. Moi, honnêtement, je le fais. Là, je viens de commencer, malheureusement. Vous ne pourrez pas le voir tout de suite, là. Mais je fais les deux. Je fais cils et sourcils. Reconstruction presque complète là, qu'on peut faire. C'est bourré de vitamines, c'est bourré de peptides. C'est ce qui fait que ton cil naturel va pousser. Il va s'épaissir. On l'a vu dans les photos qu'on a mis hier. Oui. Ben, la première, c'est au début. Hein? Elle a commencé, Josée. Excusez-moi. Je vais aller à l'aise. Allô? Okay. Je pense pas, moi, je l'aurai. Sur la deuxième photo, on voit vraiment les cils à Josée sont vraiment beaucoup plus longs. Puis, tu sais, allez voir dans les coins ici, les cils, c'est sûr que, tu sais, ils ont comme une forme. Puis là, j'ai pas de mascara, mais je vais vous montrer tantôt. Tu sais, j'ai quand même un cil droit, fait qu'on le voit pas tant de même, mais quand je relève avec mon mascara, c'est capoté. C'est vraiment cool. Vraiment. Ouais. Salut Valérie, salut Manon. OK, c'est allô! Fait que dans le fond... Oui, puis sur la troisième photo, ben c'est là qu'on voit vraiment, le cil a encore pris plus de longueur, c'est sûr. Puis on voit vraiment, il est foncé, son cil. Ouais. On le voit, tu sais, même que sur la photo, on dirait quasiment que tu as du mascara, oui, là, sur ta troisième photo, mais elle n'en a pas, là. Penses-tu que tu vas pouvoir le mettre en commentaire, peut-être, pour les gens qui ne l'ont pas vu, sinon on l'a mis hier à 8h, je pense, hier soir. On va là, remettre la photo. Fait que c'est super important de le brasser. Oui, on le brasse. Application une fois par jour. Le matin. Là, José a fait la démonstration en même temps. On l'applique le matin. Pourquoi? Parce que le soir, il ne le conseille pas à cause de nos larmes lacrymales. Super important. Faut pas étendre le produit. Donc, il faut que l'œil soit bien sèche, bien démaquillé, hein, c'est sûr, avant. Mm-hmm. Je l'ai suivi, je vais le refaire, je pense. Tu sais, parce que c'est important d'enlever le surplus, on le brasse. Ah, je le sais, là, je suis toute énervée. On est toute énervée. J'ai hâte de le remontrer. Au pire, je vais le remontrer après, je vais le faire, puis... Tu sais? Faut l'essuyer. Faut toujours l'essuyer.
Fait que Josa va l'appliquer toujours de l'extérieur, comme si on appliquerait un eyeliner. Fait que c'est vraiment, on part de l'extérieur, on suit la ligne des cils jusqu'au coin intérieur de l'œil. That's it. Là, on l'a suivi. Josée, elle n'a pas retrempé. On refait l'autre œil, même chose, de l'extérieur vers l'intérieur. Hey, c'est vrai, t'es bonne! Ben, je me trouve quand même bonne pour me checker dans un cellulaire. Me dire, sinon, c'est pas évident. Là, il faut laisser sécher à peu près 1 à 2 minutes, qui suggère. Ouais. C'est sûr qu'il ne faut pas se frotter après. Là, on veut pas étendre le produit partout. On veut que ce soit nos cils qui poussent. Hein? Ouais. Pas le reste. Faut le poil, hein? On vous le dit, là, c'est vraiment actif. Il ne faut pas se frotter. C'est super important d'avoir l'œil sèche avant pour pas que ça coule après quand on l'applique. Mais un coup qui est appliqué, il faut le laisser sécher. Ouais. Fait que moi, ce que je fais le matin, c'est ma petite routine de crème, de sérum et tout ça. J'applique mes crèmes, j'en mets sur mes yeux, mais j'attends que mes produits soient pénétrés avant de les mettre. Je ne veux pas altérer non plus, hein, c'est sûr. Ouais. Là, regarde un petit peu. Manon, là, mets-toi plus dans le milieu. Tu parles de moi ou tu parles de Caro, là? Hein? Ah, puis regarde, Manon a dit, tu retrempes non. Pas pour faire le deuxième œil. C'est un coup de trempage. Il y a toujours une goutte sur le pinceau. C'est super important de le laisser parce que sinon, tu vas en avoir partout de ton produit. Ouais. Tu peux en avoir dans l'œil, c'est pas dangereux. Là, il va peut-être te picosser un petit peu, mais ça va peut-être piquer un petit peu. Ouais. C'est tout testé ophtalmologiquement, il n'y a pas de danger. Ça se peut que ton œil soit sensible à l'endroit où est-ce qu'on l'a mis. Fait que c'est seulement un trempage, on essuie la goutte, on applique. Ouais, puis moi, souvent, ce que je fais, comme là, j'ai commencé avec cet œil-là, demain, je vais commencer avec lui. J'alterne comme ça. Un petit peu plus de produit, effectivement. Ouais. Tu as raison. Mmh. Oui, puis ben moi, j'étais un peu coucoune parce que quand j'ai commencé à le prendre, moi, je pensais que ça prenait vraiment 3 mois, là, comme il parlait, pour voir des résultats. Mais regarde, déjà, après 1 mois et demi, là, moi, je voyais déjà le résultat de la longueur. Je ne trouvais pas qu'il y avait épaissi, qu'il y en avait plus, mais moi, c'était vraiment toi, la longueur. Toi, c'est de la longueur. Oui. Valérie, elle, c'est plus au niveau de ses cils, ils ont épaissi, elle, à partir de 3 semaines. Ah oui, aussi, j'ai ses photos, je vais faire un montage, on va le mettre aussi, j'ai les siennes. Produit à mettre à tous les jours, le tube, c'est le gros format, 3,5 ml. Oui. Il va durer à peu près entre 5 à 6 mois d'application. Faut que je te coupe. Oui. Moi, je l'ai quand même depuis janvier. Là. Mm. Fait que janvier, février, mars, avril, mai, juin, sérieux, j'ai encore l'impression qu'il m'en reste beaucoup. Fait que, t'sais, c'est ce qu'ils disent, mais sérieux, ben après 3 mois, c'est autour de 2 jours. Toi, t'as vraiment été assidue, là. Pas moi. Parce que je faisais les j'arrêtais tests. Pendant le COVID. Non, moi, je faisais les tests. Puis, t'sais, après 3 mois, mais c'est autour de 2 jours. Oui, après 3 mois, c'est aux 2 jours. Dans le fond, un coup que le 3 mois est atteint de l'application du produit à tous les jours le matin, vous le faites aux 2 jours juste pour entretenir ce que vous avez déjà fait dans le fond. Puis, tu sais, si une journée, vous le faites pas, vous le faites aux 3 jours, je veux dire, c'est correct aussi là, de le faire comme ça. Moi, quand je l'applique, j'ai des yeux super chochottes. super chochottes, je peux pas mettre n'importe quel mascara. Oui. Ça se peut que ça fragilise un petit peu la paupière ou qu'on met le produit, c'est sûr. Moi, j'ai pas eu de rougeur, j'ai pas rien eu, mais c'est juste que quand je mets mon crayon après... non, je divertis! C'est sensible, c'est correct. Tu divertis aussi. Mon œil est un petit peu plus sensible. À ce moment-là, moi, j'ai continué de le faire quand même à tous les jours. Ben, je l'ai quand même fait pendant 2 mois. Là. C'est le dernier mois là, que je l'ai moins appliqué, mais là, je recommence. À ce moment-là, vous pouvez le faire aux 2 jours. Si vraiment c'est encore trop sensible, faites-le aux 3 jours. C'est juste que là, le résultat va être plus long. Ouais. Mais au bout du compte, au bout de ton tube, ton résultat va être pareil que la personne qui l'a fait sur 3 mois puis qui a fait son tube. Non, mais tu as Caro, est-ce que vous comprenez pourquoi je voulais que ce soit elle qui en parle? Elle est full bonne. Surtout avec moi à côté qui fait des niaiseries, tu sais. Bon, mais c'est good. Puis là, mais ça, il n'est pas disponible sur la boutique en ligne. Je vous l'ai écrit en gros. La compagnie ne veut pas que ça se vende en ligne. Fait que si des fois, vous seriez intéressé à l'avoir, écrivez-moi ici en commentaire. Je le veux. Fait que nous, on va venir en privé. On va venir vous contacter. Sinon, vous pouvez venir nous écrire par le Messenger de Coiffure 4 Saisons. Puis justement, dire que ça vous intéresse. Et surtout, nous dire que vous avez écouté le live pour savoir la... T'sais, pour pas qu'on vous renvoie là, tous les détails, là, tout ça. Si vous avez besoin, ça va nous faire super plaisir. Fait que là, ça serait comme le temps que je me mette du mascara. Mais sérieux, ici, là, je serais pas capable. Il va falloir... Je vais te tenir. Ouais, il va falloir que tu me tiennes le miroir de même. Penses-tu être correct? Je pense que oui. Hein? C'est correct? Parce que là, on a comme notre distanciation, hein? Fait que... Manon, elle demande ses 105 plus les taxes. Fait que t'en as quand même pour un bon bout. Oui, puis je l'ai calculé, ça revient à 5 piastres par semaine sur 6 mois. Pas cher! Ouais. 5 piastres par semaine? Mais c'est à peu près 20 piastres par mois.
quand même une allure. Hey, là, faut pas que je m'ouvre. Hey, je bouge trop, là? Un peu, mais c'est pas si pire. Ça a quand même bien une allure. Hey, on le voit. Mais attends un peu ce que je vais faire. Ah, oh, on le voit quand même. On le voyait super bien de côté. Ah, c'est quand même pas pire. Hey, mais sérieux, ouais, non, ça marche pas. Le fait que tu bouges, là, ça me chie tout. Attends un peu, on va se faire une patente. Je pense que je vais le mettre ici. Et je vais descendre ça. Puis tu te le mets, ton mascara, je vais essayer de le mettre à distance. Check, t'as peu. Tu vas virer, hein, puis tu vas pouvoir... Yup! Check, tu vas pouvoir me filmer comme tu veux, Caro. Hein. Fait que tu vas peut-être pouvoir le voir aussi là-dedans. Ah oui! Ah oui, on va bien. Ouais. Hey, je te dis, d'habitude, chez nous, juste à la bouche, je mets une grande ouverte quand je fais ça. Mais c'est vrai que ça l'étire l'œil un peu quand on fait ça. C'est surtout au niveau de la paupière en bas. Oui, mais c'est vrai, ça le met raide. Là, les cils en bas, Caro. Comment? Les cils en bas. Faut pas, hein? Faut pas en mettre en bas, idéalement, parce que le produit, on va se le dire, il est trop efficace pour mettre des cils en bas. Vous apprécierez pas les cils que ça va vous faire en bas. De toute façon, quand on a quand même un bon mascara en bas, tu sais, c'est pas fou. Hey, c'est l'enfer, celle-là. Ah oui, c'est hot, là. Et puis, j'ai pas fini. Moi, j'aime ça quand même mettre un mascara volume. Hey, faut vraiment que je me concentre pour m'ouvrir la bouche. Oui, c'est moins cher, Pat, que des extensions, vraiment. Puis, c'est ton cil naturel, fait que c'est moins lourd. Tu sais, c'est un produit en plus, là, c'est tout testé ophtalogiquement. C'est un produit végétalien aussi, c'est intéressant pour ça. Ceux qui n'aiment pas les produits de beauté avec plein d'affaires dedans, là, c'est un produit végétalien. Fait que beaucoup de vitamines, fait que ça nourrit ton cil. Un cil, ça a un cycle de à peu près 4 à 5 semaines que ton cil se renouvelle. Fait que c'est normal d'en perdre. Puis, tu sais, pensez pas que vous allez perdre vos cils. Là. Au contraire, là, ils sont bourrés de vitamines. Vous allez les perdre naturellement à peu près aux 4-5 semaines. Fait que ton nouveau cil, lui, il va déjà être boosté. Là. Il va déjà pousser plus fort. Ah, oh, moi, je dis, c'est fou, capote depuis que j'ai ça. Mais, tu sais, c'est ça, c'est l'enfer, là, je te dis. On va t'appeler Vanna White, comme Kate a dit. C'est vrai qu'elle ressemble. Moi, ça m'est rendu un problème avec mes lunettes de sécurité pour coiffer les clientes. Écoute, ça cote dans mes lunettes. Un gros problème de fille, là. C'est quoi ton mascara que Valérie demande? Mais là, ça, c'est les mascaras de Pariax, j'ai un volumisant, j'ai là, lui, c'est comme pour allonger, que je viens mettre en finition. Hey, je vous dis, les amis, je suis en train de me faire comme des squats, là. J'ai les cuisses en feu. Je confirme. Ouais. Fait que, bon, je me suis pas trop beurrée quand même. Non, c'est parfait. C'est quand même pas pire. Ouais, ceux-là, c'est les mascaras de Pariax qu'on avait ici. On peut toujours les avoir quand même sur commande, mais là, on est en train de faire des changements. Hey, c'est beau. Non, je capote, là, j'aime tellement ça, là. Ting-ting! Tiens, on va pouvoir se faire une petite... Après, on va se leur virer pour nous. Ta-da! Non, mais c'est-tu fou, là? Regarde, avec mon papier, check, Caro. Tiens, avec le papier de fond. Ouais, l'autre barre, je sais pas si on le voit, l'autre côté. On va mettre dans le papier, là. Ah non, ça marche pas. Ah oui! Ta-da! Hop, palaille! Bon! Fait que c'est ça, on voulait vous montrer ça parce que moi, sérieux, je capote, là. J'aime tellement ça, là. Ouais, vraiment. J'aime tellement ça, puis je trouve, tu sais, c'est le fun, c'est naturel, puis ça fait vraiment bien, là. Puis, oui, parce que là, c'est sûr que, tu sais, moi, je le voyais que t'avais pas, tu sais, t'as pas de mascara, mais je voyais ton cil qui était vraiment plus long, naturel, tantôt, là, avant que tu mettes ton mascara, là. Fait que. C'est une belle solution pour ceux qui veulent pas d'extension. Parce que c'est ça, il faut toujours aller là aussi. Tu sais, c'est. Ouais. Là, quand tu te beurres, là, comme moi, là, ben là, t'en as. Ah, t'avais prévu un petit coton-tige. Ben là, oui, je me beurre tout le temps chez nous. Ben, j'ai dit, hey, je vais avoir l'air folle. Hey, là, je te dis, je me suis fait les cils et je me suis fait des cuisses. C'est les cuisses en mettant tu ça. Tu vas être tranquille demain. Je vais être tranquille demain. Fait que dans le fond, mais c'est ça qu'on voulait vous parler. Je pense qu'on avait peut-être fait le tour. Je vais juste vérifier qu'il n'y avait pas peut-être d'autres questions, Caro, à être sûr et certain. Fait comme je vous dis, c'est pas un produit qu'on peut avoir en ligne. Il est disponible ici au salon de coiffure. Ouais. Vous pouvez venir. Sinon, vous nous écrivez ici. Je le veux. Fait comme ça, on va vous contacter. Oui, je le veux. Oui, je le veux.
Oui, oui, puis ça peut être même en majuscule avec, tu sais, des emojis, tout le kit, là. Oui, oui. Gênez-vous pas de nous écrire si vous avez d'autres questions aussi, si vous avez manqué une partie, en tout cas, peu importe, là, on est très actifs sur nos messages quand même. Salut Valérie, allô Manon, allô André, salut, salut. Oh, il y a plein de monde qui sont arrivés par après. Marie, franchement, marque même sur les vieilles bonnes femmes. Absolument, Marie. Ben oui, c'est sûr. T'es tellement toute sauf ça, là, toi, là. Je m'ennuie, Marie, là. Bon, attends, bon, super. Bien, je pense que t'as vraiment répondu. Non, non, mais là, tu sais, comme une belle main d'applaudissement à notre Caro extraordinaire. Yeah! Que t'as répondu. Bon, excellent. Bon, on a fait le tour. Fait que j'espère que... Moi, j'aime ça vous montrer mes petits secrets, mes petites affaires de même. Fait que j'espère que vous allez passer une belle journée, puis... Hey, checkez ça, là. Cling vite. Cling, 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 cling. J'étais vraiment loin. J'étais vraiment loin de ressembler à ça, là. Je vous le dis, là. J'avais vraiment les petits cils courts. Les petits cils courts, puis tout. Puis ils étaient droits, tes cils, là, aussi. Ouais, ils sont tous courbés. Ils sont tous beaux. Ouais. Puis même tantôt, hein, ça paraissait pas trop quand on a commencé le live, là. Mais là, avec le brushing. Hey, moi, avec mes beaux cheveux, j'ai eu un traitement hissant hier. Yes! Ça fait tellement du bien, hein. Hey, ils sont longs, ça. Bon, mais là-dessus, on vous laisse dîner. Bye-bye. Fait qu'écrivez-nous si ça vous intéresse.